Recherche de fuite, donc sur une piscine, on perd à peu près 1 cm par jour, donc sur une piscine qui fait 10 mètres par 4,50 m. Donc test d'étanchéité au niveau des skimmers, le niveau d'eau s'arrête à peu près de baisser au niveau des skimmers. Donc on a quand même contrôlé l'étanchéité complète de la piscine au niveau des buses de refoulement, des spots. Rien à signaler. Alors au niveau des skimmers, pas de problème au niveau des tuyaux. Par contre, test à la fluorescine à l'intérieur donc du skimmer. C'est un skimmer qui est fondu, qui a été réparé, on voit à la résine également ici sur le côté. Et on va voir à la fluorescine, voilà. Là, on voit l'aspiration. Voilà, au niveau de la fente. Voilà, recherche de fuite effectuée.